Dans le dessin de presse, alors. Je vais faire un petit hommage à Monsieur Piem. Voilà. Oui, il n'est pas venu les mains vides. Et il est très éclectique, Beltramo. Mais c'est également un homme de scène. Si vous ne le connaissez pas, il a un spectacle, un show comique, intitulé Totor et la divine mission. Monsieur Beltramo. Alors. C'est un reporter qui demande à Monsieur Piem quel est en deux mots le secret de son succès et de sa longévité. Et voici la réponse. Carpe Diem. Voilà. Il est sorti du petit écran pour venir ici. Il a ensuite collaboré à la 5, à la 6, pas à la 7, non, à Radio, à Télé Monte Carlo. Artiste de renommée internationale, il est très connu au Japon depuis plus de 20 ans. Et il publie aujourd'hui ses dessins sur le plus populaire des magazines nippons, Shukan Shinshu, lequel regroupe plus de 10 millions de lecteurs. Et il y a beaucoup de journaux qui devraient en dire autant. L'œuvre des aventures de Tintin sans son Milou, il ne recule devant rien et se régale de tout. Ce personnage étrange et mystérieux, c'est Brémy Molinari. Alors celui qui est très curieux, il a dessiné sous l'eau, figurez-vous. Ça, faut le faire. Voilà. Et il est même à 40 mètres sous terre, à l'équateur comme au cercle polaire. Puis, reconverti en dessinateur mondain. Ça existe, les dessinateurs mondains. Hein. Il fait à présent le bouffon dans les salons monégasques, et même sur les ponts de bateaux de croisière, où il apporte du rire et du rêve. Je crains le pire, notre service d'or va être débordé. Bravo. Le monde entier, il expose à Taïwan, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, au Japon et en Corée. Pour voir Paris d'en haut, il a même présenté ses œuvres sur le toit de la Grande Arche de la Défense. Et à force de jouer la créature à la place du créateur, il s'est même inventé un autoportrait caricatural, ce qui lui permet de se représenter au plus profond de ses œuvres. Qui n'a pas rêvé d'avoir son alter ego, son petit moyen, à soi pour être partout à la fois. L'idée ne s'invente pas, elle se pratique au jour le jour dans la vie. Comme dans les médias. Il est également à l'origine de la petite Dolly, la fameuse brebis clone, qui est devenue l'identité visuelle de ces soirées Techno. On applaudit bien fort, Monsieur Moriart.